On est encore découragés. On est de retour avant la fameuse chorégraphie. On voulait juste continuer notre discussion sur au niveau des looks, au niveau des styles vestimentaires. Ce que j'aimerais savoir, c'est que vous avez des looks complètement différents. Bon, mode, emo, je disais emo tantôt, j'étais un petit peu mélangée. C'est un poisson. Oui, je sais. Emo, hip-hop, est-ce que vous vous parlez entre vous ou ça fait vraiment des clans, des cliques assez fermés? Bon, oui, il peut avoir des cliques assez fermés, okay. Mais comme moi, je peux parler à certains fresh de mon école, oui. Okay. Ça dépend. À certains fresh. OK. C'est ça, mais il y a des clans qui ne parleront pas, là. Non, il y a du monde qui sont vraiment différents. Ouais. Tu sais, ils vont voir un point qui va faire que non, ça se mélange. Non, au bout de la mentalité, c'est ça. Avec vos parents, est-ce que ça pose problème, votre style, votre look, les gars? Non. Oh, c'est peut-être la musique oui, trop forte. Ah, ouais, la musique. C'est Antonie un peu. Non, un peu. Au niveau des vêtements, ou plus la musique trop forte. Musique. La musique. La musique un peu trop forte. Vous autres, les filles, toi, est-ce que ça... Non. Parce que, tu sais, moi, je dis, si tu fais avoir un style, tu sais, il faut que tu sois à l'aise dans qu'est-ce que tu portes ou pas, genre... tu sais, je veux, tu sais, j'aime ça, mais, tu sais, parce que les autres te disent, ah, c'est pas bon, tu vas pas le porter, là. Moi, tu sais que, genre, tu t'en fais. Ouais, c'est ça. Tu te sens confortable, t'es bien. Et toi? Non, mes parents me laissent les bruits comme je suis. Ah, vous arrivez avec tes piercings? Oui. Est-ce qu'ils étaient d'accord ou c'est pas... Au début, ils étaient... Ils étaient trop... Ils étaient des piercings, mais je les ai mis en accord, c'était bien. Bah, c'était bien qu'ils finissent bien.